Bonjour. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire avec le petit Mathieu, c'est qu'on va regarder des MV de V-pop. Donc la V-pop, c'est de la pop vietnamienne, vous l'aurez compris. On avait sorti une vidéo il y a quelques mois sur nos origines vietnamiennes et en dessous, il y a quelqu'un qui nous a mis plein de chansons vietnamiennes. Du coup, on a utilisé ce commentaire. Merci à toi si tu regardes encore nos vidéos. Évidemment, on connaît la C-pop, on connaît la Q-pop grâce à Samel et Drama. Et maintenant, on va connaître la V-pop. Faut qu'on fasse honneur à nos origines. Et cette vidéo est sponsorisée. Bah oui, parce qu'elle est démonétisée. C'est bien que... Ah bah oui. Faut qu'on compense. Ah oui, j'avais pas capté. On se retrouve juste après cette page de pub. Donc cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone, comme d'habitude. Vous finissez par connaître cette application, mais visiblement on n'a pas convaincu tout le monde. Donc on y revient encore aujourd'hui. Alors Rosetta Stone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application d'apprentissage de langue. Vous y retrouvez à peu près 24 langues, je crois. Nous, on apprend le coréen, on a même tenté d'apprendre le vietnamien, mais ce fut un échec. C'est une méthode un peu alternative de ce que vous avez en termes de bouquins. On apprend aussi le coréen avec les bouquins, mais c'est pas suffisant. Bien sûr, vous savez qu'apprendre une langue, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de l'investissement. Ça fait des années qu'on essaye. Vraiment beaucoup, et c'est vrai que quand vous mettez ensemble en fait plusieurs techniques, forcément ça marche, ça fonctionne un peu mieux. Donc quand vous en avez marre des bouquins, on part sur des applications qui sont beaucoup plus interactives et beaucoup plus motivantes au final. Nous sommes en mars, mais il n'est pas trop tard pour prendre une nouvelle résolution, parce que de toute façon il n'y a pas de temporalité pour se mettre à faire quelque chose. Donc il est temps pour vous peut-être de vous mettre à l'apprentissage de la langue grâce à Rosetta Stone. Bien sûr, vous pouvez retrouver nos offres qui sont disponibles en lien en barre de description. Et il y aura une offre Lifetime qui est à 179€ qui vous donne accès à Rosetta à vie et aux 24 langues. Donc si vous arrêtez pendant un an et que vous voulez reprendre sur une autre langue l'année d'après, bah, il n'y a pas de souci, Rosetta sera toujours là. Donc la partie que je préfère sur Rosetta Stone, c'est vraiment la prononciation, parce que je trouve que c'est pas ce que t'apprends avec les bouquins en fait. Au talent. Au talent, je sais pas ce que ça veut dire. 5$. Ah! 여자아이가 축구하는 걸 안 좋아해요. 여자애가 축구하는 걸 안 좋아해요. 남자가 축구하는 걸 좋아해요. 남자가 축구하는 걸 좋아해요. Si vous souhaitez apprendre une langue, go, foncez. Bon courage à vous, parce que nous on passe par là, donc vraiment bon courage. Et maintenant il est temps de retrouver Mathieu. Et maintenant on revient. Allez, sur salut cette vidéo. Du coup, c'est trop cool parce que Mathieu, évidemment, est vietnamien tout comme nous, mais sauf que lui, il est à 100%. Et surtout qu'il va comprendre. Non, c'est pas. C'est pas... Allez, vous allez voir, je vais rien comprendre. Ah, et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, évidemment. Et à son Twitch, parce que le jeune homme a un Twitch. Mais oui, c'est vrai, on peut faire de la promo. Mais merci. Tout de suite. Allez, on y va. Okay, on commence. Parti. Ça dit comment? Noi doi. Comme ça, comme ça. Je sais pas lire, je sais pas lire. Oh. Oh. Ah, ça commence bien. Ça me rappelle un son, ça me rappelle, La K-pop des ouf, meuf. Ça me rappelle BTS. Un peu, The ouais. Today. Ouais. Et il est beau gosse, hein. Ouais, ouais. Franchement, ouais, j'aurais plus un coréen qu'un viette, là. Ah, ils sont super chouins, ils ont très... Ah, par contre, la langue, elle me perturbe de ouf, hein. C'est bizarre, hein. Ah, c'est pas le même niveau danse que les coréens. Non, mais ça reste des têtes, quand même. Enfin, ouais, mais ça peut se développer, alors j'ai de l'espoir, comme quoi, le Vegeta, ça va se développer. Moi, j'avoue, la danse est pas incroyable. Ouais. En fait, c'est pas ça, c'est que ils ont moins de budget aussi. Ouais, hein, ouais. Et même, tu vois, genre, les effets sur la danse, ils sont pas aussi bien en valeur. Ouais. Ah, c'est comme, il y a un effort. Au niveau des shoes. Dans la vidéo, on voit qu'ils sont petits, non? Enfin. Ouais. Genre, c'est filmé. Non, mais je suis d'accord, ils sont petits. Ouais. Après, les viettes en général, ils sont petits, hein, toi t'es une exception ouais. À la règle, c'est vrai, petits, ouais, on sait pas d'où tu viens, toi. Mais je sais que par exemple en Corée, il y en a, ils sont petits, mais ça se voit pas forcément dans leur OND, tu vois. Je pense que c'est la façon de filmer. Ouais, aussi, ouais, ouais. Qui les met pas forcément trop en valeur. Parce que les Coréens, ils sont toujours là en bas, là, tu vois, comme ça. C'est Fire, là. Mais c'est grave Fire. Ouais, ouais. C'est Fire, ouais, ouais. Après, faut voir de quand ça date. Hein. Mais ouais. Ça, à mon avis, c'est 2019. Hein. 2019, tu vois, je pense. De quand ça date. Oh, ça, c'est stylé, par contre. Enfin. Bah, ça, mais à la fin, ici. Ouais. Okay. Ah non, 2020! Ah, mais il y avait pas longtemps du tout en fait. Ouais. Bah non. Et bah écoute, on a capté qu'il y avait du BTS dans l'histoire. Ouais. Bon, après, c'est peut-être une coïncidence, j'en sais rien. Donc, peut-être qu'ils sont inspirés du groupe. Ouais. Non, mais on sait pas, tu vois, moi je sais pas. Moi, si je le dis, moi, c'est des Vietnam. Je le dis, moi. Par contre, le Viet, c'est pas choquant. Enfin, au début, un non. Peu. Au début. Au début. Et après, je comprends. Enfin, je comprends, je comprends rien. Vas-y, on passe au deuxième. Tu passes sur Monstar. C'est comme Monstar X. Monstar B. Ah. Ça fait plus coréen là. Non? Ah, déjà le fond là, j'apprécie plus. C'est plus ouais, moderne, ouais, ouais. Ça, non? Ouf. Est-ce que c'est vraiment finalement très utile cette chorégraphie? Ça a l'air de les faire chier plus qu'autre chose. Surtout lui, hein. Ouais, ouais, grave. Hey, il a l'air pas mal, mais par contre, ça fait de cheveux, moi je suis pas d'accord. Hein. Oui, c'est dommage, mais il est libre, hein. Tu comprends là?
Pas trop. Bah ouais. Bah j'aime bien le son, enfin... La guitare et tout, la mélodie j'aime bien. Je trouve en fait la choré n'a pas de sens. Ouais. Vrai. Elle va pas avec. Ils font tout avec. Ouais. Tout à l'heure ils nous faisaient de la salsa ou je sais pas quoi là, maintenant ils font ça, il y a pas de. Ouais. En fait le truc c'est que aussi tu t'habitues au standard coréen qui est très ouais, long. Ouais, tu retournes, c'est normal. Moi je danse pas avec eux, clairement. Après je sais pas danser, mais. Oui voilà c'est ça, moi j'ai pas encore jugé. On juge des choses alors on sait pas faire le tiers de ce qu'ils font évidemment. Oui c'est ça. Allez, 09. Ouais. Vas-y. Tu vois là le décor déjà il est un peu mieux. Là c'est plus récent je pense. Ouais. Mmh. Ouais il y a un an. Un an 2019. Oh j'ai cru que c'était Jimin, on est ouais. D'accord. Ouais ouais ouais. Ah ouais j'ai pas vu. Ah j'ai cru que c'était Jimin. Il semblait de ouf à Jimin. Ouais ouais. Mais la qualité du MV est bien, je trouve. Ouais. Les images elles sont belles. Je trouve que c'est mieux quand ils dansent pas en fait. Ils sont in love non. Tu penses? Je sais pas. Ah ouais non ils sont in love. Ouais. Y'a pas de problème avec ça Jetam? Non non justement y'a... C'est beaucoup plus ouvert maintenant. Ah cool. C'est un MV LGBT BL. Ah c'est dire quoi BL déjà? Boys Love. Ah oui voilà. Je savais pas qu'au Vietnam c'était ouais, ouais. Plus tranquille genre. Si c'est comme un peu en Thaïlande et tout quoi. Oulala, oulala. Oula, oula. Ah ouais d'accord il part quoi. Oh. On était plus choqués que lui. Ah non. Attends, c'est là en mode bon bah tant pis. Son petit vient de crever, il a fait genre. Ok. C'est un joker dans le sens, c'est un player. Ah. Bah oui évidemment. Et la morale des stores c'est que fais attention, tu peux prendre une voiture. À tout moment. Si tu fous la gueule des autres, prends une voiture. Non. Ah mais Van, on est où là? Mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'il fait? En plus, j'aime pas du tout les excès de violence comme ça, ça me. Mais pourquoi? Ah, j'avais déjà oublié le début du clip. Ouais, moi aussi. What? Mais. J'ai rien compris. Je crois, je sais pas si. Alors, attends, on peut faire juste un sum up là de ce qui vient de se passer. Donc, il est avec une meuf. Ouais. Il tâche la meuf pour un cum. Après, il s'embrouille parce que je pense qu'il y a un bail avec la meuf et tout. Il s'en va en voiture, le mec sort de la voiture, il se met dans le camion. Le mec est pas trop choqué. Ça va, t'as vu? Le mec il est vénère et tout. À la fin, le mec il va tuer. Le mec il se prend un camion. Déjà, le mec il est en PLS. Mais c'est pas le mec qui l'a tué, c'est pas lui. C'est son love. Oui, mais alors il est pas vraiment mort du coup, le gars. Franchement, j'ai pas compris. On va appeler la France vietnamienne et lui dire qu'est pas ça, les gars. Ouais, y'a pas de sens. On va passer au suivant. Ah, on passe sur des meufs. Ça, c'est quoi, 2020? 2019. C'est de l'argent de toi, ils sont sur l'île là. Eh hey, beau gosse hein. C'est je t'aime non? Mais c'est en italien? C'est en ouais. Non c'est pas bien ça. J'ai l'impression qu'elles sont pas synchro. Non mais oui elles sont pas synchro hein. Je comprends que c'est ouf d'être synchro genre les Twice. Ouais de ouf. C'est millimétrique. Ouais. Mais oui c'est ça. Bon j'ai tombé je sais plus avant c'était sorti quand même pas je sais pas. Bon. Ouais bof. Bah ouais. Ah je suis désolée je voulais pas renier mon pays comme ça. Bon bah on attaque lui là. Ouais. 221 millions. Oh, et non. Franchement, faut les faire quand même, 221 millions. Donc lui, c'est le Justin Bieber. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'on me l'a introduit la première fois en tout cas. En plus, c'est un feat avec Snoop Dogg, hein. Mm. Quand même. Moi, c'est la seule musique que je connais avec une autre. Mais je l'aime trop. Moi, je l'aime bien, je la trouve cool. Ouais. Mais tu vois, j'ai jamais vu le clip par contre. Bah, tu verras quand il danse pas, ça me passe beaucoup mieux. Ah ouais, lui, il va pas dans la voiture, il va sur la voiture. Mais là, c'est plus américanisé quoi. Tu ouais, vois. De ouf. C'est comme ça que je passais mon permis, moi. C'est pour ça que je l'ai pas eu. Il a l'air d'aller vite quand même. Il est bien dangereux. Ah, la question c'est est-ce qu'il était avec lui ou pas? Ah oui. Ah oui, tu vois quand même. Ouais. C'est pas un feat en mode. Non, ouais. Toi tu restes chez toi et moi je reste chez moi. Ouais. Mais il est vieux Vietnam et tout, ce vague. Je me demande s'il est sympa dans la vraie vie ou pas. Moi j'ai entendu que. Bof. Tu vois? Attends. C'était Madison Beer. On aurait, mec, j'allais dire, on aurait dit Madison Beer. Je pense pas que c'était elle, mais on aurait grave dit. On aurait dit, hein. Ouais, elle ressemble à nous. Mais c'est pas qu'on dit rien. Ouais. Ça, c'est elle. Hein. Oh, perso. Bah, ah, si, c'est elle, regarde. Ah, voilà, putain. C'était bien elle. Tu vois ce qu'elle a gardé. Je te jure, je suis choquée. Alors, j'ai encore mis d'autres musiques qui nous a conseillé, mais là, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Ça coûte, ça dure 8 minutes 10. Putain. C'est un film. Oh. Ça, j'aime bien, tu vois.
On est plus sur la vie pop là. On est sur la vie vietnamienne en fait. En fait, il y avait trop de choses. Ouais, il y avait beaucoup de musique et qui correspondent pas forcément à la pop. Par contre, s'il y en a dans ton traduit la chanson. On peut en parler deux secondes parce que tu pars H24 vietnamien avec tes parents et t'as compris peut-être juste. Mais je vous dis franchement, les musiques elles sont trop philosophiques chez les Viet. Juste une dernière chose.